Georges Saint-Germain. J'ai une femme extraordinaire qui s'appelle Bertha et deux enfants, Samson et Grace. Grace qui voudrait vous imiter. C'est un pays de cocagne, tout est possible ici. On nous livre des sans-papiers. Grace, mange. Non, ça fait 3 mois qu'on vous dénoire, c'est bon, j'aime pas. Ma fille est amoureuse d'un humain. Je crois que dans le fond, oui, je crois que j'aimerais bien être un vampire. Je pense que je suis digne de l'être, en tout cas. On ne peut pas toucher la femme du chef. La femme du chef est unique. Nous avons l'immense regret de vous annoncer l'exécution de Samson. Notre famille doit partir au Canada. Ça fait des années qu'on est en bas. Il serait temps qu'on passe un petit peu. Regardez un peu. Voilà. Alors voilà. Voilà. On est réduit. Voilà. Voilà. Hein ? On dort bien debout peut-être ? Ce n'est pas facile d'être éternel, vous savez. On s'ennuie parfois. Donc il faut être très créatif. Ce sont des bons clients, les vampires. Ouais, c'est rare des gens qui les achètent plusieurs cercueils plusieurs fois dans leur vie. Et... Racontez-nous comment vous êtes devenu vampire. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler avec mon dîner.